La QV 52 de l'École nationale de police a été présentée au drapeau ce matin. Les 937 membres ont validé le premier module de leur formation, ce qui leur donne droit à la présentation au drapeau et au port d'épaulette avant de leur ouvrir les portes pour les cours pratiques et théoriques. La QV est composée de sous-officiers de police nationale, d'inspecteurs, d'assistants et d'agents de police municipale. Dramane Guéné et Adam Nkiti. École nationale de police, 52e promotion. Des sous-officiers de la police nationale et des agents de la police municipale. 937 admis au premier module de formation, la formation militaire de base, 3 redoublants. Le palmarès validé, les admis sont aptes à poursuivre la formation. L'effort couronné ici par leur présentation au drapeau. Le drapeau auquel vous venez d'être présenté vous permet désormais de prendre part aux prises d'armes en présence de celui-ci. Retenez que loin d'être un simple morceau de tissu, le drapeau est l'un des principaux symboles de l'État. Il symbolise non seulement la communauté de vie à laquelle nous appartenons, mais aussi les sacrifices consentis pour la souveraineté de notre pays. C'est donc un moment important de votre vie de policier, en ce sens que vous vous engagez à servir la nation et à défendre le drapeau en tout temps et en tout lieu jusqu'au sacrifice suprême. 3 mois de formation militaire de base et l'autre partie des 2 ans affectée au métier de police. Pour avoir accès aux salles de classe, il faut le passeport, l'épaulette de l'École nationale de police. Les passants sont d'abord portés aux différents majors et la troupe à la suite. C'est un acte fort, ce qui va ouvrir la voie certainement aux défis nouveaux auxquels ils feront face. Je profite donc de cet instant pour les appeler à être plus vigilants et surtout à se dire que le droit, n'est-ce pas, donc à la présentation au drapeau et le port du passant leur donne désormais des obligations vis-à-vis des populations. La première étape franchie, les recrues peuvent défiler devant le drapeau, symbole de l'État. Défiler par section et par compagnie pour leur première fois.